Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez vu dans le titre, mon opération est reportée. Bon, je ne sais pas à quelle date. Donc 15 jours, 3 semaines normalement. J'ai gagné le gros lot. J'étais faire mon test PCR hier, le tout premier depuis 2 ans. Et ben, pour le tout premier, j'ai gagné le gros lot. Voilà. Je me suis révélée positive. Alors, pourquoi? Mystère et boule de gomme. Parce que, comme vous le voyez, je suis en forme. J'ai pas de fièvre, je ne tousse pas, j'ai rien. Donc, je suis une positive sans symptômes. Donc voilà. Bon, tant mieux, hein. Je vais pas pleurer après les symptômes. Mais donc, voilà. Du coup, mon opération est reportée. Je ne sais pas la date, hein. Je la saurai dans 15 jours, 3 semaines. Enfin, ils vont m'envoyer un courrier pour me redonner une date. Donc, j'ai tout annulé ce matin. Et puis voilà. Youpi, c'est la fête à la maison. Alors, du coup, ce matin, alors en plus, j'ai eu mon résultat. Alors, j'étais faire mes tests hier après-midi, ouais. Vers 2h30, enfin 14h30, un truc comme ça. J'ai eu mon résultat hier vers 22h30, je crois, par SMS. Enfin, j'avais un lien à cliquer pour avoir le résultat. Puis voilà. Donc, comme Chouchou dormait, j'étais réveillée pour lui dire. Et puis en même temps, je lui ai dit, bah, demain, tu vas aller faire un test. Hein. Voilà. Donc, lui, il en revient. Là, il a été le faire ce matin. Donc, bah, il aura ses résultats aussi dans la journée ou demain matin. Lui, il a été le faire ici au laboratoire par chez nous. Donc, il m'a dit il y avait un monde fou, il y avait plein de gens, surtout des enfants. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, je suis punie à la maison pendant 7 jours. enfin, 5 jours d'abord, puisque dans 5 jours, je dois aller refaire un test. C'est le bordel, leur truc. Alors, dans 5 jours, je dois aller refaire un test, si j'ai compris. Enfin, c'est tout était marqué dans le SMS. Et dans 7 jours, je dois en refaire un. Je crois, ouais, voilà. Mais bon. Bon, de toute façon, je vais le faire par chez moi. Hein. Je ne vais pas remonter à l'hôpital pour aller le faire. Hein. Et puis, moi, sinon, voilà. Bon, donc on va rester à la maison. Hein. Heureusement que j'avais fait les courses avant. Donc, bon, si vraiment il y aurait bien quelque chose, je demande à mon fils, il habite dans la rue. Donc, je lui demande à lui, puis il y va. Puis, bon, de toute façon, si Chouchou est négatif, lui, il aura le droit de sortir. Il n'y a que moi qui serai puni. Voilà. Alors, comment j'ai chopé cette cochonnerie? Mystère. Parce que je suis super précautionneuse. Ouais, je suis dire. À la maison, il y a du gel dans les toilettes, il y a du gel dans la cuisine, il y a du gel dans la voiture, dans mon sac. J'ai des lingettes pour le caddie au supermarché. J'ai toujours mon masque. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai pu choper ce truc. Ou alors, j'étais chez le médecin cette semaine. Peut-être que quelqu'un l'avait, il ne savait pas. Bon, mais c'est pareil, j'avais mon masque. Donc, bon, on va pas chercher, hein. On va pas chercher à comprendre. Je l'ai, tant pis, hein, c'est fait. Hop, ça y est. J'ai eu droit. Bon, j'ai eu droit, et puis de la façon la plus
on va dire, la plus light. Voilà. Donc, bon, là, c'est le... On va dire que c'est mon premier jour. Peut-être, ça fait peut-être 48 heures que je l'ai, ou 2-3 jours, j'en sais rien. C'est ça, en plus, je ne sais pas depuis quand je l'ai, puisque j'ai pas fait de test avant. Donc, on verra bien. On va attendre 5 jours, on va refaire un test, et puis après, on refera au bout de 7 jours. Voilà, après, je serai libérée, libérée, délivrée. Je pourrais chanter la Reine des Neiges. Bon, allez, voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo, juste pour ça, pour vous dire que ben, je ne me fais pas opérer demain. Ben, je vous redirai quand j'aurai la date. Voilà. Ouais, elle m'a dit, ouais, 15 jours, il faut 15 jours, 3 semaines. Et là, de toute façon, en ce moment, tout le monde reporte sa date d'opération. Donc, bon, on verra. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Et ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Enfin, de meilleures choses, surtout. Bisous, bisous, à bientôt.